propose deux formats de concept en commission affiliation. Cyrillus a l'avantage d'être une marque complète, une marque famille. Donc on a l'enfant, la femme et l'homme. On a deux formats de magasins. Un format uniquement enfant, dont l'offre s'exprime dans une surface d'environ 80 à 100 mètres carrés. Et un format famille, homme, femme, enfant, où là on est plutôt sur un format de 140 à 180, 200 mètres carrés, suivant les niveaux de force et les emplacements que l'on peut trouver dans les villes. Cyrillus est une marque avec des valeurs bien différenciantes, qui sont l'ouverture, la culture, la famille. Un travail considérable a été fait depuis deux bonnes années sur la marque Cyrillus, son identité, son positionnement. On n'a pas changé son positionnement, on l'a plutôt rajeuni, réadapté. On s'adresse à une famille que l'on qualifie, nous, un peu de néo-bourgeoise, avec dans une classe CSP+, CSP++. On est dans une famille qui s'exprime avec les valeurs dont j'ai parlé, d'humanisme, de culture, de famille. On a une baseline avec la marque Cyrillus qui est tribu en libre expression. Tribu étant la tribu au sens familial, au sens amitié, au sens parents, enfants, amis, entre amis, où on peut s'exprimer et s'épanouir avec la marque Cyrillus. On n'a pas de caractéristiques diplômantes, on a plutôt un profil, on va s'adresser à quelqu'un qui a une expérience retail, alors ça peut être une expérience d'indépendant, un commerçant indépendant, ou ça peut être une expérience d'une activité commerciale autre que textile. En tout cas, on va être très attaché à ce que le candidat s'approprie par sa culture et par son style la marque Cyrillus et s'approprie la culture de l'entreprise. On a pour vocation de travailler avec nos affiliés de la même façon que nous travaillons avec nos succursales ou nos responsables de magasins. On ne fait pas et on ne fera pas de différence dans le management, dans le service que l'entreprise apportera à ses affiliés. Dès le début du contact et du dossier, on a une validation assez aux valeurs de la marque et on aura dans le cadre du partenariat, on aura une formation qui est prévue pour nos affiliés dans nos propres magasins et une formation dans le magasin, formation commerce, formation merchandising, formation au process logistique, à l'encaissement, à toute la culture technique et commerçante de la marque. L'animation de réseau sera calée par rapport à l'animation qu'on peut avoir sur nos succursales. On a une direction de réseau, des directions régionales. Les directions régionales ont également pour mission d'animer, de manager, de contrôler l'animation des points de vente, soit succursales, soit affiliés. Ça se fait de façon récurrente toutes les 4-5 semaines en profondeur et il y a un contact hebdomadaire avec le réseau entre l'affilié et le responsable de la région. Une confiance doit s'installer dès le début de la collaboration. On a un certain savoir-faire et on veut faire profiter notre affilié de ce savoir-faire.